Welcome to Lyon. Bienvenue à Lyon. Nous sommes heureux de vous faire découvrir notre ville, nos églises et le projet missionnaire que nous voulons porter ensemble et pour lequel nous faisons appel à vous. We're really excited to be able to share with you something about our town, something about our churches and also something about our communal life of mission here in the city. I'm really passionate about Lyon. I love it. It's a great city. It's beautiful. It's well placed geographically. It's a crossroads for all kinds of transport and communication all over Europe. Lyon's got an amazing Christian history. It dates back to almost 100 years after Jesus. There was Jesus who taught John, who taught Polycarp, who then taught Irenaeus, who is here in Lyon. And we've got an amazing lineage of Christian history happening in this place. There was a proto-reformation in the 1100s when a merchant called Pierre Valdo heard the gospel for the first time and was amazed by it, and from that point went on to spread the gospel all over Europe. Over the many years that have been through since, there have been all kinds of different developments. The Anglican Church came here in roughly the 1840s. We've got records of the local Anglicans supporting the silk workers when trade and industrial revolution came. And we've been here for the last 150 years helping engage English speakers on their spiritual journey in the city. Bonjour, mon nom est Pierre Blanzin, je suis marié, père de deux jeunes adultes et un des pasteurs de Lyon-Rive-Gauche, une des cinq paroisses que compte l'Église protestante unie de France sur la métropole de Lyon. C'est dans ce temple que s'est tenu le premier synode national de notre Église protestante unie au moment de l'union entre réformés et luthériens en 2013. Cette union a été motivée par la prise de conscience qu'il nous fallait nous rapprocher les uns des autres si nous voulions être davantage une église de témoins, davantage une église qui assume son rôle missionnaire dans le monde contemporain. Et notre paroisse se situe pleinement dans cette vision. Certes, nous sommes une paroisse importante de centre-ville, avec tout ce qui fait la vie traditionnelle d'une communauté, ses cultes, ses célébrations, ses temps de prière, ses activités jeunesse, de catéchèse, de scoutisme, d'études bibliques, etc. Mais nous avons la conviction que nous devons être aujourd'hui plus créatifs pour que l'évangile qui nous fait vivre puisse être entendu et accueilli au-delà. Dans la vision qui est celle que nous avons formulée, nous souhaitons être certes une église rassemblée, fraternelle, conviviale, et je veux dire que c'est ainsi, c'est une communauté très chaleureuse. Mais plus encore, nous mesurons qu'il nous faut être audacieux pour tenter de rejoindre les personnes en quête spirituelle, en quête de sens, et qui ne sont ni familières de notre culture, de nos langages, ni de nos habitudes. C'est pourquoi le profil que nous cherchons pour occuper le deuxième poste de Lyon-Rive-Gauche, c'est quelqu'un qui soit à la fois pleinement un pasteur et pleinement un missionnaire pour vivre ces deux dimensions. Quelqu'un qui ait une vocation de berger pour accompagner en équipe la communauté protestante de Lyon-Rive-Gauche, par sa prédication, par sa capacité à conduire des équipes de bénévoles, notamment en ce qui concerne les familles et la jeunesse, cela représentera la moitié de son temps. Mais aussi quelqu'un qui ait une fibre missionnaire pour initier de nouvelles formes de témoignages à travers l'accueil, l'accompagnement de personnes à la fois nouvelles sur Lyon et peut-être aussi nouvelles dans leur quête de sens et dans leur demande de spiritualité. Cette démarche plus missionnaire, nous l'imaginons comme une « fresh expression », comme on dit en Grande-Bretagne. Et cette action, elle sera une action commune, un ministère partagé, porté à la fois par l'Église protestante unie de Lyon-Rive-Gauche et la communauté anglicane de Trinity Church of Lyon. My name is Ben Harding. I'm the chaplain here at Trinity Church in Lyon. We have been here, my wife and I and my children moved out in 2014. We came to Lyon because, as I said before, it felt like a strategic place. The church doesn't own its own church building. It's a network of people that gather in the city to worship, to learn more, to follow Jesus together. We felt that it was an interesting location and an interesting mission. So just a few words about our mission in Lyon. It's estimated that there are between 80 and 100,000 English speakers in the Lyon area. And much like our church, it's made up of a demographics of people from all over the world, all kinds of different backgrounds, and they come to Lyon because either they're expats and they've come to serve for a short-term contract, between 3 and 5 years maybe, with a business, or it could be that they've come to live here permanently
It could be that they've come from anywhere over the, around the world, like our church. It could be that they've come from the north or the southern hemisphere. It could be that they come from Asia or from Africa. It could be that they're Europeans who speak English better than they speak French. But they're essentially this huge group of English-speaking people who are living in the city. Recently, we have found that being an English speaker in the city and having a mission towards other English speakers has become more valuable than ever before, because we're finding that there are migrants and there are refugees coming from countries where they've never had the opportunity to ask questions about the Christian faith in public, and all of a sudden they're able to say, who is Jesus? And the fact that there are English speakers here in the city to be able to help these people on their spiritual journey has become increasingly valuable. So those are the two groups that we're mainly hoping to attract and engage in the Christian message. There's the expat community, and then is this group of refugees that are coming through too. And we're really hoping that the person to come in this post will be able to spend their time outreaching to these groups in English speaking and French mission. Alors, vous venez de découvrir ce projet et peut-être avez-vous lu les 5 pages de l'appel à candidature qui présente nos 2 paroisses, le projet missionnaire que nous voulons initier et puis qui décrivent le candidat que nous rêvons. Et peut-être vous vous dites, mais là, il cherche la perle rare, vraiment, il cherche le mouton à 5 pattes. Pas du tout. En fait, nous souhaitons simplement travailler avec une collègue ou un collègue, pasteur, missionnaire, désireux, partager l'évangile, passionné par l'interculturalité entre francophones et anglophones, entre anglicans et protestants, et puis quelqu'un qui soit vraiment heureux de travailler en équipe, non seulement avec nous deux, mais aussi avec l'équipe qui va porter ce projet au quotidien, et puis aussi avec les membres de nos 2 paroisses qui attendent avec impatience de faire connaissance. And so ultimately, what's really exciting is the possibility to live something that has not been done before, and to be adventurous and to explore. In the Church of England, we talk about pioneering ministry and fresh expressions of church. And this, in a sense, is an opportunity to exercise that, to see where that could go, particularly with two churches who are looking to work together in partnership. And as the interesting element of being able to do something in both English and French. And we're confident that what we explore with an experiment here will have implications for our 2 churches, not just in Lyon, but all over the nation. So we're excited about this project and we're excited to see where it leads. It'd be great if you consider prayerfully whether it's something that you think you could be part of too. Étrangers, mes frères, devant toi, de nos conflits, les siècles résonnent. Océan de silence, parfois. Seigneur, c'est toi seul qui nous façonne, toi seul qui appelle, toi qui envoie. Ouvre nos cœurs à ce que tu donnes. Ouvre nos yeux à ce que tu vois. Passe.